Le comité d'orientation et de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, PRAPS 2 Mali, a tenu sa quatrième session ordinaire ce vendredi 22 novembre 2024. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, en présence des membres du comité de pilotage et de l'unité de coordination du projet. Trois points inscrits à l'ordre du jour. L'analyse et l'adoption du procès-verbal de la troisième session ordinaire, le rapport des activités et de gestion financière établi au 30 octobre 2024, le projet de plan de travail et budget annuel PTBA 2025 du PRAPS 2 Mali. Je voudrais rappeler que le projet est à sa troisième année de mise en œuvre avec 9 mois de suspension de décaissement de la Banque mondiale à son démarrage. Sur la base des résultats obtenus à ce jour, la mise en œuvre du PRAPS 2 Mali évolue de manière satisfaisante vers la réalisation de son objectif de développement. Cependant, il est à noter que le bilan 2024 a été quelque peu affecté par la persistance de l'insécurité par endroits, entraînant des difficultés dans la mise en œuvre des activités dans certaines régions, le retard du démarrage des travaux de certaines infrastructures, les difficultés d'accès à certains sites et aménagements et infrastructures hydrauliques pastorales et le déplacement des populations de leur site d'origine, avec comme conséquence la non-réalisation des travaux prévus, entre autres. Au cours de cette rencontre, vous aurez à examiner, amender et valider les documents qui vous seront soumis. Pour ce faire, je vous exhorte à un examen approfondi afin qu'au sortir de cette réunion, nous ayons les documents bien améliorés, faisant ressortir les actions pertinentes réalisées et surtout réalisables au profit des bénéficiaires du projet. Au terme, il s'agira de soumettre les documents validés par la présente session à la Banque mondiale pour requérir son approbation pour le financement du PDBA 2025. Il est à noter que le PRAPS 2 Mali a démarré en 2022 pour une durée de 6 ans. À mi-parcours, il a déjà enregistré des résultats significatifs avec un taux de réalisation de 73%. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de valider déjà un bilan provisoire, parce que c'est un bilan provisoire. Le plan d'action, c'est de janvier à décembre. Et aujourd'hui, on est en novembre, donc on a un bilan jusqu'au 31 octobre. Donc déjà, c'est un bilan partiel. Donc je peux dire déjà, ce bilan partiel, il est très satisfaisant parce que sur un budget de plus de 12 milliards, nous avons à peu près 9 milliards de réalisations, soit un taux de 72%, et qui sera amélioré aussi parce que d'ici la fin de l'année, compte tenu des activités déjà en cours, nous comptons atteindre minimum les 95% de réalisation financière du projet. Nous sommes à la troisième année du projet, sur les 3 ans. D'ailleurs, c'est 2 ans de réalisation parce que nous avons eu quand même plus de 9 mois de suspension. Donc, nous avons 2 mois d'exécution pratique et nous sommes à 58% de décaissement du coût total du projet sur une durée de 6 ans. D'ici une année ou 2 ans, pratiquement, nous aurons à décaisser presque la totalité, en tout cas du budget du projet. Et sur le plan national, c'est réellement un projet qui appuie le pastoralisme. Cet appui au pastoralisme va de la couverture vaccinale contre certaines maladies animales à la réalisation d'infrastructures ainsi que le financement des activités génératrices de revenus. En termes de résultats aujourd'hui, nous avons mis à la disposition de la Direction nationale des services vétérinaires le besoin, en tout cas en vaccins, sur l'ensemble du territoire contre la peste des petits ruminants dans le cadre de la stratégie d'éradication. Et nous avons lancé aussi la réalisation pratiquement de plus d'une centaine d'infrastructures de santé animale. Il s'agit des parcs de vaccination, des postes vétérinaires, des postes frontaliers, des couloirs de vaccination et même des directions régionales. En termes aussi de gestion des ressources naturelles aujourd'hui, nous avons fait assez d'aménagements pastoraux aujourd'hui, tels qu'on a balisé des pistes de passage des animaux, des périmètres pastoraux qui sont aménagés. Nous avons aussi réalisé des systèmes d'hydraulique pastorale améliorés. Il s'agit des points d'eau pour l'abreuvement des animaux et des cultures fourragères qui sont aussi réalisées, des conventions de gestion des ressources naturelles qui sont élaborées, la mise en place de commissions foncières
mais surtout la dynamisation des commissions foncières existantes. Donc en termes aussi d'accès à l'infrastructure et d'accès au marché, là aussi nous avons réalisé des marchés à bétail, des étals de boucherie, mais aussi des aires d'abattage. C'est vrai, nous appuyons aussi les organisations pastorales pour la mise en œuvre de leurs plans d'action. Et nous avons financé aussi 600 activités génératrices de revenus. Donc cette année, c'est 270 jeunes qui sont formés sur les métiers porteurs. Et 270 jeunes femmes ont été équipées aussi pour qu'ils puissent au moins avoir un emploi. Dans la mise en œuvre du projet, il a été soumis au comité d'orientation et de pilotage, le PTBA, qui couvrira l'année 2025, visant à soutenir les activités d'un pastoralisme plus résilient au Mali.